Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit glitch qui va vous permettre d'avoir de l'RP et de XP en illimité sur le online de GTA. Donc là, c'est pour la version 1.11, mais je tiens à signaler que ce glitch existe déjà depuis la version 1.09, il me semble. Donc pourquoi je vous présente cette vidéo alors qu'elle a déjà été faite par plein de monde? Donc tout simplement parce que j'avais envie de vous présenter ce glitch à ma façon, à ma manière, vous avec mon commentary à moi. Et tout simplement car ça va apporter une confirmation à certains joueurs de GTA, comme quoi que le glitch marche toujours. Donc on part tout de suite sur la vidéo du glitch où je vais vous montrer comment faire. À tout de suite, c'est parti. Donc nous voilà, vous allez sur le menu start de la PS3, vous allez dans activité, héberger activité, créé par Rockstar, vous allez dans versus et ripou. Une fois ça aussi fait, vous confirmez que vous voulez bien faire l'activité avec la croix. Donc je précise que moi je suis sur PS3, donc sur Xbox je sais pas comment faire. Allez vous renseigner chez des collègues, peut-être qu'eux ils l'ont fait sur PS3, Xbox, désolé, je ne sais pas. Donc vous lancez l'activité, ça va arriver, vous confirmez les paramètres, pas besoin de régler les paramètres, vous invitez un ami, parce que faut obligatoirement que vous soyez deux dans cette session pour pouvoir, faut que vous soyez qu'un ami en fait, pour pouvoir réaliser ce glitch. Donc vous l'invitez, une fois qu'il est présent, qu'il a bien accepté l'invitation, vous lancez la session, vous confirmez vos paramètres, vous mettez prêt à jouer, vous choisissez vos signes de victoire, votre équipe, c'est très simple, vous mettez prêt. On va arriver donc sur un parking, vous allez voir qu'on va arriver sur un parking avec une voiture. Donc le but de cette mission, ça va être de récupérer des preuves. Nous, on s'en fiche totalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la voiture. Donc j'attends que le Gugus aille dans la voiture. Donc au passage, mon personnage est plutôt classe, encore une fois. Donc vous montez dans la voiture, vous allez sur la carte, vous dézoomez et vous placez un point de repère là où je l'ai fait, comme sur la vidéo. Donc en fait, le point de repère que j'ai placé, c'est à la base militaire. Il va falloir se rendre à la base militaire. Donc moi, j'ai coupé la vidéo pour que ça aille plus vite. Donc, vous voyez les collines. En fait, une fois que vous arrivez à la base militaire, il va falloir que vous sautiez une de ces collines. Donc, il va falloir que vous sautiez par-dessus l'une de ces collines pour pouvoir rentrer dans la base militaire. Une fois que vous rentrez dans la base militaire, vous allez voir que vous vous ferez tuer à chaque fois par un tank ou par des soldats à pied, à la mitraillette. Donc, à chaque fois que vous vous ferez tuer, vous allez gagner 400 d'RP et d'XP. Et à chaque fois, vous respawnerez encore une fois dans la base militaire avec 4 étoiles au cul. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous faire tuer, à chaque fois vous allez gagner de l'XP et de l'RP. Et à chaque fois vous allez revenir, c'est-à-dire dans la base. À chaque fois vous allez respawn dans la base militaire. Et à chaque fois vous allez vous faire tuer. Et à chaque fois ça va faire un petit manège en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous faire tuer, vous allez respawn et vous allez gagner de l'XP à chaque fois. Donc c'est-à-dire que ce glitch il marche aussi en AFK. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez sauté la colline pour rentrer dans la base militaire, ce glitch il va marcher parfaitement. C'est-à-dire que si vous partez manger, si vous allez jouer au foot, vous grimpez la colline, vous faites la mission, vous lancez comme au début du glitch et vous rentrez dans la base. Et à chaque fois vous allez être tué. Donc ça marche parfaitement en AFK. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce petit glitch. C'est une première, donc j'espère que vous serez indulgents. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez liker la vidéo, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter, vous êtes très actifs, et moi également, donc je le répète à toutes les vidéos, mais c'est parce que c'est vrai. Et vous pouvez également vous abonner, parce qu'il y a plein de nouveaux glitchs, plein de vidéos sur GTA, FIFA et Code qui vont arriver très prochainement. Donc franchement, je vous conseille de vous abonner, car il y a du lourd qui arrive quand même, il y a des très bonnes vidéos qui arrivent. Donc moi, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao les gamers. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez voir ma dernière vidéo, cliquez sur la Turismo. Et si vous voulez encore plein d'autres glitchs et de vidéos sur FIFA, Call of Duty et GTA, cliquez sur Trevor. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. A la prochaine, ciao tout le monde, peace.